Donc nous sommes ici au Capilano Suspension Bridge, le pont qui est ici. Voilà, ce fameux pont suspendu qui va nous permettre d'aller d'abord au Treetop Aventure. Hein, c'est un parcours avec une différentes espèces d'arbres, des passages dangereux. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le fuseau. Bon, il faut revenir avant 19h parce que ça ferme, le pont ferme à 19h. Donc on a une heure. Allez, c'est parti. Bon, là, on va zapper tout ça parce que sinon on va perdre du temps. Le téléphone. Où est-ce que là? Il va falloir plonger. Thank you. Ah, ça bouge quand même. Ouais. D'accord. Continue. Go, go, go. Go, go, go. Allez, à la Koh Lanta. Allez, tu nous cours tout ça là. Et tu arrives au beau sapin là-bas de Douglas. Là, on évolue là, dans ce milieu naturel, mais on n'a pas des arbres comme ça aussi, ces fameux sapins de Douglas. Ah ouais, non, c'est beau. Ils sont, oui. ils sont majestueux. Attends, si tu avances et que je recule, hein, on sait ce que ça peut donner. Comme tu vois, je suis impressionnée par la largeur de ces arbres. Là. C'est énorme quand même, le diamètre. Voilà, ben, on a fini notre accrobranche dans les arbres. Tu vois, là, on voit. Donc, ouais. Voilà, on voit pas bien jusqu'au bout. Ouais. Mais bon, il est pas tout jeune. Hein. Après, tu en vois. Ouais. Chaque strie représente une année. Parce que ça ressemble à une banane ou quoi? C'est ça. Ou c'est qu'elle glisse comme une banane? On va voir, on a une, là, ah, bon, on va aller voir ça. Banana slug. Slug. L'aigle, c'est le plus grand. Ah oui. Et après, tu as une noix canadienne. Le faucon en tout petit devant, là. Mais ils le font pas assez bouger, là, tu vois. Allez, allez. Allez, fais-moi bouger ce pont. Ça bouge moins tout à l'heure. T'as vu la rando qu'on a fait en Espagne? Oui. Mais en fait, on a tout fait, quoi. Ben oui. Et là, on vient de terminer sur les Cliff Royce. Voilà, c'est parti pour la découverte du downtown. Donc, on va aller prendre le Cibus. Le petit bateau. On va aller découvrir Vancouver. Voilà, on va arriver au niveau de l'horloge qui sonne avec de la vapeur. Du parking où on est jusqu'au Cibus, on suit le Spirit Trail.
Ça fait 1,6 km et on y est en 16 minutes. Ça y est, on y est. Gastonne. Et on est dans une des rues les plus commerçantes et populaires. Et nous allons vers Chinatown. It's been hard in America. It's been tough feeling sad. It's been hard in America. I never thought it'd get so bad. I wish that I had a big jet plane. Fly the tears away. Maybe I'd find a river so wide. On va aller manger au Taco Fino. On n'a pas pu s'empêcher de revenir chez Tofino. Non. Tofino, 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 Tofino. Et le tacos au poisson, il est excellent, excellent. En dessert, on prend... Ah, des churros. Ah, ça, ça n'a rien à voir. Dans 7 minutes 37. Allez, c'est parti, on va aller faire le tour. On a loué des vélos de la Stanley Park. Et c'est on ça est, et on est parti pour faire le tour qui fait combien? 9 km. 9 km. Bon, il paraît qu'il faut 1h30, donc bon. Voilà, on a le soleil, ça va. Ouais. Allez! C'est parti! When I look at you like that, you lose it completely. Losing track of space and time. Allez! I don't wanna go home looking for a reason. Mais oui, ça va pas assez vite là. I wonder, do you feel it too magical?
On aura mis qu'une heure. On est des grands sportifs, nous, ouais. Marc, on a bien pédalé quand même. Ouais, ouais, c'est tout plat. Ouais. Tout plat. Bon, allez, on va aller se boire un petit coup quand même. Bon, non, ça va être la petite bière. Quoi. C'est ça. Derrière les gros bateaux à moteur, il y a des garages à bateaux. La petite balade digestive. Ah ouais, c'est vachement sympa. Hein. Après, franchement. Après un repas bien mérité. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est que les piétons sont pas mélangés avec les vélos. Ce qui fait qu'on n'a pas à se soucier de savoir s'il faut tirer sur la laisse pour le chien, par exemple, ou qu'il y en ait un qui arrive par derrière, quoi. Chacun sa place. Voilà. Le problème, c'est qu'elles font des petites crottes là, et il y en a partout. How weird time seems to fade. Where your maps are no good. Trade your money for rest. Learn. Tell the story of where you've been. Travel, beat up, worn in with settled soul. Trust your God, you have earned at least that. Age has proven to be kind. Age has proven to be kind. The
se retrouve à Vancouver et on va manger un super cannibal, un hamburger. Hamburger coréen. Bien, ça va? Oui, ça va. C'est bien. De la poutine. Alors? Ouais. Que se passe-t-il, ma nénette ? Alors, on a ouvert devant, bien sûr, pour avoir accès à tout ce qu'il faut pour la vidange. Oh. Ah ouais, tu fais aussi les graissages. Je dis qu'aujourd'hui, c'était la journée consacrée au véhicule, l'entretien. Changement de l'huile, des filtres, à air, à huile, gasoil. Tous les combien ? Bon, je le fais tous les 2000. Bon, je te laisse travailler, mon petit chéri. Oui. Allez, courage. C'est mon job, ça. Ouais. Moi, je me retourne à ma vidéo. Ah oui, dépêche-toi, t'es en retard. Hein. Ouais. Tu en as combien en retard ? Ben là, j'en ai 15 du coup. Oh là 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 là. Mais tu vas rester ici finalement. C'est ça. Ah, super. En allant chez Fuseau, voilà, on trouve un Québécois avec un fuseau aussi comme le nôtre. Il devait être 12. Ah ouais. Ça fait, j'aime vite. Avant, c'était un dump pour faire du landscaping. Et donc, il est en train de l'aménager. Ça, c'est chauffe-eau. Ah, c'est pas un chauffage au sol. Pas encore, là. Il est installé, mais il n'est pas plugué. Ah oui, un chauffage au sol. Mais il y a du bois là, dans le panneau. Non, il n'y a pas de bois. J'ai du bois là. C'est du bois. Ouais. Il n'y a pas là, ni là. C'est ça. C'est du bois. Ah oui. J'enlève, j'amène où ce que je veux, là, ici. Mais c'est vrai que les fuseaux, il n'y en a pas beaucoup. Mais en France, en France, on n'est pas beaucoup, même pas 10. Ah ouais. En Allemagne, ils sont 300, 400. Donc voilà, avant de partir... On fait l'entretien du ballon d'eau chaude. Voilà. Alors, tout simplement, on va mettre 2/3 de vinaigre, sachant que le ballon, là, il fait 1 litre. Et le restant en eau, on va faire chauffer pendant 1 heure, à température maximum. Et puis après, on va rincer, on va vider, remettre de l'eau. Alors, le principe est simple. Ici, en bleu, là, on le voit. Ici, c'est mon arrivée d'eau, je l'ai débranché. Mon arrivée d'eau se fait là. Donc, je vais remplir par là. Donc j'ai un petit entonnoir, je vais pouvoir verser mon vinaigre et mon eau. Voilà. Et ici c'est la sortie. Donc on va la remplir jusqu'à temps que ça sorte. Voilà. Jusqu'à temps que ça dégueule. Et ensuite on, comme je disais, on mettra en température pendant 1 heure. Allez, c'est parti. Du vinaigre blanc. Hein. Bon, ceci dit, le rouge, il aurait le même effet. Mais peut-être qu'il y aurait une petite mer qui se formerait. Une mer de vinaigre à l'intérieur. Non, on fait ça au vinaigre blanc. On aurait un passager mais clandestin. Mais par contre, Truma conseille un autre liquide qui est évidemment bien plus cher. Mais il conseille aussi le vinaigre. Donc tant qu'à faire, autant. Ceci dit, ici au Canada, j'aurais pas trouvé leur produit. Hein. Alors que le vinaigre blanc, t'as pas eu de mal à le trouver ce matin. Non. Puis s'il en reste, je vais pouvoir faire les cornichons. Alors tout ça, pourquoi on fait ça? C'est tout simplement pour enlever le tartre dans le ballon. Et puis tous les organismes qui vont... Ah oui. Oui, parce qu'on ne chauffe pas toujours à 60 degrés. Ou... Alors il faut chauffer de temps en temps pour la température maxi, hein, à 70. Il ne faut pas se contenter de la position éco. Hein.
justement, ça permet de détruire les bactéries. Oui, les bactéries pouvant s'y trouver, c'est notamment les... La légionellose. La légionellose, voilà. Donc, cet entretien, une fois par an. Alors voilà, hein, Yvan et Karina qui nous invitent chez eux. C'est pas le Québec, mais on est à Vancouver. Mais ils parlent le français. Donc ça nous arrange parce que comme on est très anglophone, hein, vous l'avez compris. En tout cas, c'est super gentil. Hein. Elle est américaine. Ah, Spooky. Elle vient de Californie. Spooky. Voilà. Ah ouais, franchement, adorable. Des bières de la nerne et de local. On va rester, hein, ça, on va rester. Oui, on prend pension. Finalement, on part pas demain. Vous accueillir à Canada. On est avec Karina et Yvon. À la veille de partir en France, on les adore. Voilà. Québec. On laisse notre véhicule chez Karina et Yvon. Voilà. C'est le dernier adieu. Et voilà, et on revient en juillet, mi-juillet. Et en plus, on tombe sur un Iber qui parle français. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, on peut se débrouiller. Airport. Oui, Airport Vancouver. Et voilà, après le contrôle de sécurité, vous avez la possibilité de faire pipi à votre chien avant le départ. Hein. On devrait s'en inspirer, nous, à Charles de Gaulle, là-bas. Bon, ça y est. On a 9h40. Presque 10 heures quoi, de voyage. Il y a encore 5 heures de vol. Voilà, donc là on a eu notre correspondance, on va sur Montpellier et à une heure de vol, tout s'est bien passé. L'avion va partir à l'heure, donc tout va bien. Et Nana s'est comportée comme un petit chef. 7h05 à la minute. Et nous voilà maintenant dans la navette pour récupérer le train. C'est pas fini.